Bonjour tout le monde. Before we get started, I want to touch briefly on the unfolding events in Portapique, Nova Scotia. I know we've all been watching this on the news. My hearts go out to everyone affected in what is a terrible situation. I want to thank the police for their hard work and people for cooperating with authorities. Je tiens à parler brièvement de la situation qui se déroule actuellement à Portapique en Nouvelle-Écosse. Je sais qu'on a tous suivi les nouvelles. Mes pensées accompagnent toutes les personnes touchées par cet événement. Je veux remercier les autorités pour tout leur travail et tout le monde pour leur coopération. Ce matin, je veux aussi souhaiter une joyeuse Pâque orthodoxe à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Même si c'est seulement sur Skype, j'espère que vous pourrez passer cette journée spéciale avec votre famille et vos amis. I want to wish a happy Orthodox Easter to everyone who's celebrating today. Even if it's just over Skype, I hope you can spend this special day with family and friends. Although this pandemic has affected everyone, some people have been hit especially hard. Right now, too many Canadians are facing some really difficult situations. If you live with a disability, I don't have to tell you what this can look like. You might be worried about whether your support worker will be able to keep coming. You might be concerned about getting groceries or about your finances. And if you're caring for someone with a disability, you're probably anxious about getting support too. Your voice matters. Your experience is important. And our government is listening. If this crisis has laid bare the gaps that still exist for far too many Canadians, it has also given us an opportunity to address them. It has encouraged us to have even more meaningful conversations about how we can make our country a more inclusive and a more equitable place. Last week, Minister Qualtrough launched a COVID-19 disability advisory group as part of our plan to keep all Canadians healthy, informed, and safe. We're addressing key issues like equal access to healthcare and information, as well as support on jobs and income. And we're doing all of this work with you at the table. On that note, I want to recognize the outstanding organizations right across the country, like the Rick Hansen Foundation, that are bringing these issues to the fore. You are doing incredible work, and we are proud to be your partner. La semaine passée, la ministre Qualtrough a lancé le groupe consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes en situation de handicap. Ça fait partie de notre plan pour aider tout le monde à rester en santé et en sécurité. On fait face à une situation sans précédent, donc on se penche sur les enjeux les plus importants, comme l'accès équitable aux soins de santé et à l'information. On offre aussi du soutien financier à ceux qui en ont besoin et on a mis des mesures en place pour protéger les emplois. C'est du travail qu'on fait ensemble. Je veux saluer tous les leaders et les organisations à travers le pays qui attirent notre attention sur les enjeux et les défis particuliers auxquels les plus vulnérables font face. Vous faites un travail extraordinaire et on est là pour être votre plein partenaire. In response to this pandemic, we've developed a 3-point economic plan to help Canadians get through this tough time. We introduced the Canada Emergency Response Benefit to help people who've lost their wages. We brought in new loans for businesses, and we introduced the wage subsidy. But there is still work to do. There are still people to reach. That's why this past week, we expanded the Canada Emergency Response Benefit to include workers making up to $1,000 a month, seasonal workers, and those whose EI has recently run out. It's why we put in place new measures to support people in the energy industry, which is suffering right now. And we also brought in support for people who continue to do incredible work in the arts, culture, and sports communities. And it's why we've kept making progress with the provinces and territories on increasing wages for essential workers who need it. Now, things are tough for employers, too. So we brought in a whole range of additional support on loans and credit, and for Indigenous businesses and businesses in the north. And for communities that need extra support,
We approved requests to have the Canadian Armed Forces assist in Quebec long-term care facilities, as well as in Nunavik and in Basse-Côte-Nord. Today, I can announce that we've also approved the extension of a request from the Government of Quebec for the Canadian Rangers to help Nutashquan and Iquanichit First Nations near Basse-Côte-Nord. All these measures we've brought in are about helping you do the things that will get us through this. And it's working. We're seeing the numbers trend in the right direction. So we need to keep doing what we're doing and keep being extremely careful. And we will get through this together. Depuis le début de la crise, on a annoncé des mesures historiques. Avec la prestation d'urgence, la subvention salariale et les prêts aux petites entreprises, on donne un coup de main à des millions de familles, de travailleurs et d'entrepreneurs. Mais il nous reste encore des gens à aider. Donc cette semaine, on a élargi la prestation canadienne d'urgence. On a mis en place des nouvelles mesures pour les travailleurs de l'énergie, un secteur particulièrement touché par la pandémie. On appuie aussi ceux qui continuent de faire un travail exceptionnel dans le milieu des arts, de la culture et du sport. En même temps, on travaille avec les provinces et les territoires pour augmenter les salaires des travailleurs essentiels qui en ont besoin. Bien entendu, c'est une période aussi difficile pour les employeurs. On a donc introduit toute une gamme de mesures supplémentaires, dont des prêts et des contributions pour les entreprises, y compris pour les entreprises autochtones et du Nord. Et pour les communautés qui ont besoin de plus d'aide, on a approuvé des demandes pour que les Forces armées canadiennes soient déployées au Québec, dans les CHSLD, ainsi qu'au Nunavik et sur la Basse-Côte-Nord. Aujourd'hui, je peux aussi annoncer que les Rangers canadiens vont venir en aide à deux autres communautés au Québec, la communauté de Nutashquan et la communauté de Iquanichit. On a mis toutes ces mesures en place pour vous permettre de suivre les recommandations des experts et de nous aider à combattre le virus. Et ça fonctionne. Les chiffres indiquent qu'on s'en va dans la bonne direction, donc on doit continuer de rester chez nous et d'être prudent. Et ensemble, on va passer à travers. Cela dit, même si on souligne certaines tendances encourageantes, on ne va pas se compter des histoires. À travers le pays, des milliers de familles vivent des moments atroces, des moments déchirants à cause de cette pandémie. Je veux prendre un instant pour exprimer toutes mes condoléances à ceux qui sont dans le deuil. Tous les Canadiens partagent votre tristesse et sont à vos côtés pendant cette épreuve terrible. Sachez, en tant que gouvernement, on est là pour vous et on va traverser ces moments difficiles ensemble. On ne peut pas voir les nouvelles sans penser à ces aînés dans leur résidence qui ne peuvent pas voir leurs enfants, qui ne peuvent pas voir leurs petits-enfants, sauf par FaceTime, et qui ont peur, qui voient les nouvelles de situations dans des centres d'aînés à travers la province, à travers le pays, et s'inquiètent de savoir s'ils vont revoir leurs enfants, leurs petits-enfants un jour. C'est extrêmement difficile. Et nous, nous devons de tout faire pour eux, en travaillant ensemble, mais aussi en soulignant qu'on doit continuer de rester chez nous, qu'on doit continuer de freiner la propagation de ce virus. Et ensemble, on va passer à travers. And because it's Sunday, I want to end again by talking directly to all the kids who might be watching. This week is National Volunteer Week. That means we say thank you to everyone around us doing things like helping seniors get groceries or putting in a shift at a food bank. You can join in from home, too. Ask your parents if you can help them make dinner and do extra cleaning around the house. Help your brother or sister with schoolwork. Say hi over FaceTime to your grandparents who I know are missing you. Young and young at heart, we can all make a real difference. I heard a great story the other day about a restaurant in Nova Scotia, The Canteen. They've turned the restaurant into a community kitchen where people pitch in and get meals to those in need.
And there have been thousands of Canadians who've already signed up through our national COVID-19 volunteer recruitment campaign to lighten the load on our frontline workers. Everyone can help out. Everyone can help us get through this. À tous les enfants qui sont à la maison, n'oubliez pas qu'on a besoin de vous. Demandez à vos parents si vous pouvez les aider à préparer le souper ou faire plus de ménage. Aidez votre frère et votre sœur avec ses devoirs. Dites bonjour sur FaceTime à vos grands-parents qui s'ennuient de vous. On est tous en mesure de faire de notre pays un endroit meilleur. Et en ce moment, pendant qu'on fait face à un défi comme on n'en a jamais connu auparavant, on a tous la chance de contribuer. Et je sais qu'on va tous continuer de faire notre part. Merci beaucoup.